519 956 euros, le montant trône depuis ce matin quasiment au pied du sapin à l'entrée du casino. Un cadeau non pas venu du ciel, mais de cette machine à sous tout à fait traditionnelle pour une mise ridicule de 3 petites pièces de 20 centimes qui ont permis d'aligner les 3 sets synonymes de jackpot pour un client qui souhaite rester anonyme. Une heure après, il n'avait pas pris conscience encore des choses, il n'avait même pas appelé son épouse pour lui dire, parce qu'il avait peur de sa réaction. Et de ne pas gérer la réaction de son épouse au téléphone, vous voyez. Donc il est parti l'annoncer à son épouse et il appréhendait le moment, en fait, presque. Dans cet établissement, 93% des sommes jouées sont redistribuées. 43 millions de gains ont ainsi été reversés en 2014. Cela faisait 7 ans que le record n'était pas tombé au casino de La Rochelle. De quoi faire des envieux. On voudrait bien être à sa place. Ça donne des envies. Hein. Ça vous donne envie de jouer? Oh bah on joue de temps en temps, mais bon, on n'a pas la chance de gagner ça. C'est le bonheur pour une famille, parce que ça va quand même arrondir les fins de mois, ou alors se payer quand même certains petits loisirs de la vie, hein, quand même. Hein. Et puis, on est très heureux pour ces gens-là, en fin de compte. Hein. Après le jackpot, la cagnotte est redescendue à sa mise de départ, 10 000 euros, mais le directeur espère qu'elle remontera bien vite grâce à l'augmentation du nombre de joueurs sur cette machine devenue porte-bonheur depuis hier.